La tête de course est à 42 km de l'arrivée. Et Fabian Cancellara, vous le voyez, il est tombé. Il est tombé alors que l'écart était de 34 secondes avec le groupe de tête, avec le groupe Tom Bonan, Seth Van Mark, Jan Stannar, Fabian Cancellara qui a mis du temps à se relever, qui rejoint, je crois, Damien Gaudin ici à gauche de la route et qui maintenant tente un numéro de solo, mais ce sera bien compliqué, Nicolas G. Oui, Fabian Cancellara qui est tout seul, qui est reparti, qui est tout seul dans la nature. En effet, il vient de reprendre un coureur d'AG2R la mondiale. S'agit-il de Gaudin ? Je ne sais pas. En tout cas, juste une petite image que je voulais vous raconter. Fabian Cancellara a doublé la voiture Tinkoff qui a voulu lui donner un bidon. Voilà, juste pour vous dire qu'on peut être adversaire et on peut s'aider aussi dans ces moments-là. Et là, en effet, avec Damien Gaudin, là, Cancellara qui donne tout. Mais ça va être très, très difficile pour lui. Quasiment impossible de remporter un quatrième Paris-Roubaix. Vous venez de comprendre comment il est tombé, Fabian Cancellara. Vous avez vu, c'est lui qui est tombé alors qu'il était dans la roue de Berthe de Backer et de Ramon Sicaldam, les deux coureurs du team Gent-Alpecin. Il a mis du temps à comprendre, il a mis du temps à se relever. Il a surtout sans doute compris que le Paris-Roubaix, son dernier Paris-Roubaix à Spartacus, eh bien il ne le gagnerait pas. Il est à plus de 3 minutes maintenant de la tête de course. La tête de course, elle est ici. Vous avez vu, on va revoir, on va demander. C'est vraiment une image forte, très forte de ce Paris-Roubaix. Comment Peter Sagan a réussi à passer au-dessus du Suisse de Fabian Cancellara, comment il a roulé sur le vélo. Regardez, la chute, là, c'est à droite de l'écran, c'est à gauche de la route. Voilà, regardez, hop, il lève la roue avant, il passe sur le vélo, il roule dans la boue, il monte sur le bas-côté. Ce Peter Sagan, on le sait, le Slovaque sait tout faire, le dernier vainqueur du Tour des Flandres qui a enfin gagné un monument, une classique, sait tout faire. Tiens, j'ai une petite image pour vous. Regardez ce qu'il sait faire, Peter Sagan, que vous avez ici à l'écran. Regardez. C'est faire les autographes partout. C'est faire les roues arrière, les zigzags. Il va faire un truc incroyable. Oui, il revient. Et voilà, il garde son vélo sur la galerie de la voiture. C'est énorme. Un coup de fraîcheur dans le cyclisme. Voilà, il est comme ça. Mais pour l'instant, eh bien, il est à 1/10 de la tête de course. Ils ont rejoint Marcus Burgard. Ils ont rattrapé Martin Weinand. Il y a Berthe de Backer et Ramon Sicaldam qui sont loin du groupe de tête avec ici Tom Bonnen, Imanol Erviti, Jan Stannar, Seb Van Mark, Edvald Boasson-Hagen. 8 coureurs à l'avant. Et alors, je vous ai longtemps dit que c'était Luc Burbridge, pas du tout. C'est Mathieu Hémat qui est là de nouveau. Oui, il a résisté. Tout à l'heure, les deux ont été longtemps ensemble et c'est finalement Mathieu Hémat qui est de nouveau là. Mathieu Hémat et Erviti qui étaient dans l'échappée tout à l'heure et qui sont toujours là. Bonnen s'est débarrassé de la plupart de ses adversaires, mais c'est pas pour autant que la tâche sera facile pour lui. Il ne me fait pas une impression extraordinaire, Tom Bonnen. Il n'était pas à la facilité sur le secteur précédent. Pas sûr qu'il soit si serein que ça. Pour moi, le coureur dont il faut le plus se méfier, c'est Boasson-Hagen, qui a fait jusque-là une course parfaite, le champion de Norvège. Il n'a pas fait d'erreur, pas fait d'efforts superflus. Et Van Mark a l'air lui aussi frais, le coureur avec son maillot jaune. Et ils ne sont donc plus que 7 devant. 7 coureurs à l'avant avec. Ouais, le vainqueur est là. Hein. Tom Bonnen, Mathieu Hémat, Seb Van Mark, Edvald Boasson-Hagen, Alexei Saramontins, Jan Stannar et Imanol Erviti qui lui pédale avec toute la Navarre, le coureur originaire de Pampelune. Ah, le Luc Rowe qui est en train de revenir peut-être, Cédric. Oui, Luc Rowe, Heinrich Hauser et Marcel Siebert qui restent depuis de nombreux kilomètres, à environ 200-250 mètres des 7 hommes de tête, mais qui n'arrivent pas à boucher justement ces 250 mètres. Il faudrait un petit moment de temporisation pour les voir revenir. Pourtant, Hauser, Siebert et Luc Rowe sont en train de se relayer. Je pense que si devant ça temporise, vous pourriez retrouver 10 coureurs. Mais voilà, nous abordons déjà le secteur numéro 8. Oui, mais le problème, et vous le savez bien, Cédric, quand on a été distancé une fois, c'est qu'on n'est pas super. Alors revenir, c'est toujours possible si ça ralentit devant, mais de là, espérer pouvoir à nouveau jouer quelque chose, un rôle important, et pourquoi pas la victoire, ça, forcément, ça relève de l'impossible. Il reste dans ce groupe de tête des garçons qui ont l'air quand même encore très en jambes. Van Mark notamment, Boasson-Hagen. Cédric,
important. Il me semble que le vent là est plutôt de trois quarts face, non? Venant de la droite. Le vent, oui, le vent vient de la partie droite sur ce secteur pavé qui reste piégeux parce que par endroits vous pouvez l'apercevoir probablement. Il y a des flaques d'eau, il y a de la boue sur le côté et c'est peut-être ce qui a expliqué aussi tout à l'heure la chute des coureurs de la formation Sky. Il faut rester vigilant et puis il faut surtout encore avoir tous ces moyens pour éviter ces pièges de Paris-Roubaix. Et comme toujours sur les pavés, accélération de Tom Bonan qui aime être devant. Seb Van Marck le surveille comme le lait sur le feu. Oh, c'est une image facile mais c'est une telle vérité. La victoire est là. La victoire est à 7 ou à 10 parce que Peter Sagan est à 1 minute 12 et à plus de 3 minutes. On a Fabian Cancellara. Sans doute, Nico, vous l'avez abandonné. Donc, nous sommes encore avec Fabian Cancellara, Thierry. Et Fabian Cancellara qui fait l'effort pour l'instant avec un AG2R La Mondiale qui, selon moi, n'est pas Damien Godin dans sa roue et un Cofidis. Aucun des deux n'a la force de prendre leur lead. Impressionnant, Fabian Cancellara. Mais malheureusement pour lui, ce sera pour rien. C'est Maxime Daniel qui est avec Cancellara, le coureur d'AG2R La Mondiale. Et là, c'est Adrien Petit que vous avez vu en gros plan. Coureur qui connaît bien le Nord, il est originaire du Pas-de-Calais, il habite à côté d'Arras, c'est pas très 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 loin d'ici. Et c'est lui qui emmène le groupe avec Peter Sagan. Ça c'est le trio qui tente de revenir, ils aperçoivent la tête de course avec l'effort de Luke Rowe, victime d'une chute, ça se voit sur son côté gauche. C'est compliqué pour Heinrich Hössler, l'Australien. Deux coureurs australiens à l'avant, les Australiens qui ont déjà gagné avec Stuart O'Grady. Les Britanniques n'ont jamais gagné. Ils sont deux à l'avant, Yann Stannard et juste derrière Luke Rowe. Allez, l'effort à la sortie du secteur pavé numéro 8. La jonction va se faire, Cédric. Jonction imminente au prix d'un effort surhumain de la part de Heinrich Hauser, Cyberguero, qui se sont bien relayés. Alors, ils ont peut-être profité d'un petit relâchement à l'avant. Voilà, vous retrouvez 7 plus 3, 10 coureurs en tête de course qui vont essayer de résister au retour d'un Peter Sagan. À 1-10, le groupe Peter Sagan emmené par Adrien Petit. Évidemment, hier, on l'a rencontré lors de la présentation de l'équipe Direct Energy. Non, je vais attendre un max de temps et après, dans le final, peut-être anticiper vraiment avant les Cadors, mais pas avant la deuxième ravito, on va dire autour du secteur Marc Madio ou un peu plus loin. Mais avant, je resterai au chaud. Vous qui connaissez très bien ces routes et qui avez fait la reco, il va encore pleuvoir ce soir. Qu'est-ce que ça change et comment sont les conditions, les pavés un peu boueux demain normalement? Non, je pense que ça va vite sécher. Le seul piège, ça va être les voitures ouvreuses qui peuvent ramener de la boue sur le pavé en passant sur le secteur. Ça va être le piège parce qu'on arrivera sur des secteurs secs lancés à bloc et d'un coup on va se retrouver sur une flaque de boue qui sera remontée par les voitures. Donc ça va être le piège, mais je pense que sinon les routes vont être relativement sèches. Tout ce qu'il dit, on l'a vu, tout ce qu'il dit, eh bien voilà la tête de course. À 37 km de l'arrivée, 36 900, ils sont 10, je vous les rappelle. Tom Bonan, Heinrich Hössler, Alexei Saramontins, Matthew Eman, Luke Rowe, Yann Stannard, Marcel Sieberg, Sepp Van Marck, Edvald Boasson-Hagen, Emmanuel Hervity. Ça veut dire qu'on a deux Belges, on a deux Britanniques, on a deux Australiens, un Lituanien, un Allemand, un Norvégien, un Espagnol. Juste derrière, le groupe Peter Sagan avec Bert De Backer, Ramon Sinkeldam, Marcus Burkhardt, Oliver Nassens. On a Luc Durbridge, Martin Vinans, Adrien Petit et Dylan Van Baarle. Tiens, on en parlait justement, il fait toujours un final étonnant. C'était le cas sur le Tour des Flandres. Il est là aussi sur le Paris-Roubaix, donc le groupe Cancellara. Alors, il y a 1-10 entre la tête de course et le groupe Sagan. Et on a un groupe de 3 coureurs, Bout Boxish, Fabian Cancellara et Maxime Daniel. Le groupe Cancellara, le trio Cancellara pointé à 2 minutes 51. Voilà le groupe emmené par Peter Sagan, 1-11. Qui demande un relais, le champion du monde. La tête de course avec un Tom Bonan qui en fait beaucoup quand même, mais bon, c'est normal. Luke Rowe qui vient l'aider à la gauche, à sa gauche. Alexei Saramontins. Pourtant, Bonan, il a son avantage, le fait d'avoir gagné à 4 reprises. Il devrait peut-être montrer davantage de sérénité, ou alors les apparences sont trompeuses, il est vraiment très fort. Il ne conçoit pas de rester dans les roues,
Mais sinon, je veux dire, il y a quand même dans ce groupe des garçons qui ont besoin de gagner davantage que lui, qui n'ont jamais gagné Paris-Roubaix. Et lui, il a déjà gagné. Donc, c'est peut-être le seul, d'ailleurs, qui pourrait se permettre le luxe de dire, moi, allez-y, les gars, j'ai déjà gagné 4 fois. Alors, hein, allez-y, faites le boulot. Pourtant, il s'emploie. Et là, depuis quelques kilomètres, Van Marc se cache un petit peu, reste dans les roues, s'économise. Il a peut-être, il s'est jaugé tout à l'heure, il a peut-être senti qu'il était vraiment bien, que ses adversaires n'étaient pas si forts, et il attend. Il attend probablement le carrefour de l'arbre. Ce secteur est toujours difficile et parfois décisif au kilomètre 240. Et donc à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, donc dans 15 kilomètres, ça va à nouveau se décanter, c'est certain. Mais d'ici là, il y aura quelques secteurs encore à passer. Emmanuel Herviti, Marcel Siberg, Alexei Saramontas avec son maillot de champion de Lettonie. Avec son maillot de champion de Norvège, c'est Edvald Boasenhagen pour l'équipe Dimension Data. Heinrich Hausler pour l'équipe YAM Cycling. Luke Rowe avec ses cheveux longs. Ça, vous ne pouvez pas le confondre avec Jan Stannard. Voilà le groupe de 10. Tom Bonham, Heinrich Hausler, Alexei Saramontas. Deux coureurs de l'équipe YAM, deux coureurs de l'équipe Sky. Un Etix, un Lotto Jumbo, un Lotto Soudal, un Dimension Data et un Movistar. Et Mathieu Eman pour l'équipe Orica Greenedge. Voilà au complet les 10 équipes représentées à l'avant. Il est bien letton, hein, Saramontas. Il est bien le champion de Lettonie. Parce qu'il est originaire de Riga. Voilà une ville que l'on passe avec plaisir, tant pleuve. 1-0-5. Ah, ils ont grappillé 6 secondes derrière avec le groupe Sagan. Avec Bert de Backer, Ramon Sinkeldam, les deux coureurs de l'équipe du team Gent-Alpecin. Il y a de la fatigue là, ça se sent, hein, entre les secteurs pavés, on fait pas mal de roues libres et pourtant les écarts se stabilisent. Donc à tous les échelons de la course, on est un peu cuit. Les forces commencent à manquer. Et on calcule, on réfléchit à la stratégie à mettre en place. Comment se défendre, voir comment attaquer pour essayer de remporter cette belle victoire. On épie l'adversaire. On essaie de se rendre compte de lequel d'entre tous est peut-être le plus frais. De qui il faudra se méfier lorsque ça va accélérer. Bon, on en a une petite idée. Hein. Van Marc a l'air serein, a l'air très bien. Boasenhagen qui avait fait la course parfaite. On fait un peu beaucoup là ces derniers kilomètres. Attention de ne pas pêcher par orgueil, de ne pas trop en faire. Tout comme Tom Bonnen d'ailleurs, on l'a dit, hein, qui en fait lui aussi pas mal. On imagine que pour Eman qui prend le relais maintenant et Herviti, c'est plus compliqué parce qu'ils ont fait l'échappée devant et il y a de la fatigue peut-être davantage que pour les autres. Allez, Marcel Siberg en facteur. Alors, le dimanche les facteurs ils travaillaient pas, mais Marcel il y va. Et c'est l'entrée dans le secteur de Templeuve. Secteur numéro 7, 500 mètres de long. Et le grand Marcel accélère. Il est mieux rentré dans les pavés que les autres. Petite accélération là, c'est Marcel Siberg. C'est le coéquipier modèle, notamment dans les sprints d'André Greipel. Mais bon, il est à l'aise, hein, sur les pavés, malgré sa grande carcasse. Il passe très bien les pavés, il est puissant aussi. Hein. Et il a fait un petit trou, à part le boucher. Alors on sent que c'est commencé à être difficile pour ceux qui étaient dans l'échappée du jour, hein, parce que là c'est Emmanuel Herviti et Mathieu Eman qui sont en train de fermer la marche. Je pense que Heinrich Hausler est limite, le coureur australien. Le letton Alexei Saramontas, on le voit là ici avec son maillot de champion de Lettonie, un petit peu en difficulté. Marcel va réduire la sortie du pavé.
Et attaque de Lucro à la sortie du pavé. Et Adrien Petit ici pour emmener le groupe Peter Sagan. Une minute, 32 km 3 de l'arrivée. Accélération de Lucro. Seb Van Mark dans sa roue. Tom Bonnen, très vigilant, très fort aussi. Hein. J'espère pour lui qu'il n'en a pas trop fait. Ah, il est costaud quand même, Bonnen. Ouais. C'est lui qui prend le relais ici, Tom Bonnen. On va l'écouter. Écoutez ce qu'il disait hier à Nicolas Gé. Quand tu as vu la dernière deux semaines, on est toujours là avec 3-4 coureurs. Toujours juste avant la finale, le vrai final. Il y a seulement un ou deux coureurs capables de lâcher nous, mais ils sont là. Paris-Roubaix un peu différent. On a déjà aussi deux semaines en plus. Ça change beaucoup dans cette période de l'année. Et je suis sûr, demain, on a la possibilité de faire quelque chose de grand. Contrairement à Fabien Cancellara, ce n'est pas votre dernier Paris-Roubaix? On va parler de ma fin de ma carrière après la classique, pas maintenant. Tornado Tom ou Tomek, c'est comme vous voulez pour les surnoms. 4 Paris-Roubaix, 3 Tours des Flandres, 5 Grands Prix E3 à Rolbeck, 3 Grand Wevelgem. Et qui avait réussi en 2012 quelque chose d'exceptionnel. Il avait gagné le GP E3 à Rolbeck, il avait gagné Grand Wevelgem, il avait gagné le Ronde, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. 2012, une année exceptionnelle pour celui qui avait été sacré champion du monde en 2005 et qui revient un petit peu par miracle, hein, parce qu'on n'oubliera pas qu'il était tombé sur la deuxième étape du Tour d'Abu Dhabi, qu'il est resté pendant une quinzaine de jours hospitalisé sur place, victime d'une fracture de l'os temporal gauche, qui n'a pas encore gagné en 2016. Le voilà en gros plan, Tom Bonnen, l'ancien champion du monde, qui en est à sa 16e saison professionnelle, lui qui fêtera ses 36 ans le 15 octobre prochain, et qui aura marqué indiscutablement sa génération, qui aura marqué l'histoire du cyclisme. Et aujourd'hui, je le dis, je le répète, il peut rentrer dans la légende. Et ça discute là entre Jan Stannard, avec Marcel Stiberg. On essaye de se refaire un peu là du côté d'Heinrich Hössler. Mathieu Eman commence à être fatigué aussi. Et Emmanuel Herviti, lui, il est repassé devant. Le voilà, Jan Stannard ici en deuxième position. Tom Bonnen, Seb Van Mark. Beaucoup se demandent peut-être si Peter Sagan, le champion du monde, a course perdue avec 58 secondes de retard. Pourtant, l'écart se réduit. Hein. Il y avait une 10 tout à l'heure, plus que 58 secondes. La tendance est plutôt en sa faveur, mais toujours 58 secondes de retard. Il faut déjà revenir sur la tête et ensuite être capable de lâcher tout le monde ou de les battre au sprint. Au sprint, c'est toujours possible. Hein. Il garde sa pointe de vitesse, les lâcher, ça devient improbable. Et puis on sent que, comme pour tout le monde, la fatigue s'installe. Voilà, Peter Sagan a certainement joué de malchance sur ce Paris-Roubaix, mais il a également, on peut s'en rendre compte, peut-être une équipe un peu trop faible pour cette course par rapport à ses ambitions et à son statut d'hyper favori. Il fallait une grosse formation autour pour justement pouvoir résoudre des situations compliquées comme celle qu'il a rencontrées aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas. On va prendre le baromètre d'abord de Peter Sagan, du groupe Sagan avec Nicolas Gé. Ensuite, on prendra le baromètre devant parce que vous êtes à côté d'eux, donc vous sentez mieux les choses que nous. Nico avec Peter Sagan. Attention, pardon, accélération de Tom Bonnen. Attaque de Tom Bonnen, Cédric. Attaque de Tom Bonnen et Seb Van Mark hyper vigilant qui réagit effectivement. Tom Bonnen qui a profité de la traversée de Louville, il me semble, nous sommes dans Louville, avec une portion abritée. Il tente un coup, tout simplement, encore un coup de poker de Tom Bonnen. À 30 km de l'arrivée, ça n'a pas marché. Seb Van Mark le marque, il n'y a pas de jeu de mots. Jan Stannard dans la route du coureur belge. Et c'est quand même Mathieu Eman qui fait l'effort. Hein. Commence à être dur pour Lucro ici. Non, Lucro, il appelle sa voiture. C'est ça l'explication. Allez, on va prendre le baromètre avec Nicolas Gé du groupe Peter Sagan. À 30 km de l'arrivée désormais. Et le champion du monde qui fournit de gros efforts en tête
de ce groupe. On l'a vu prendre énormément de relais et de très longs relais, tout simplement parce que d'ailleurs ça ne collaborait pas totalement. Et Peter Sagan s'est retourné et a dit à ses compagnons là de ce groupe de passer. C'est ce qu'ont fait notamment les deux Giant Alpecin. Et maintenant ça collabore un peu mieux, mais pourtant, je vous dis, on est environ 50 km/h et donc ça a accéléré nettement depuis que Sagan a rameuté un petit peu tout le monde. Ouais, le problème pour Sagan, c'est que dans ce groupe, les garçons sont un petit peu cuits, hein, c'est compréhensible. Et puis certains ont des hommes à l'avant. On voit bien le coureur de l'auto Jumbo qui avant-marque à l'avant. On se dit bien que de toute façon, la collaboration à côté d'un garçon comme Sagan, elle est très compliquée, donc il peut compter que sur lui-même quasiment, avec l'appui peut-être des coureurs de Giant qui n'ont personne à l'avant, mais dans ces conditions, un retour semble quand même fort improbable. Ouais, ça stagne, hein, 53, surtout, 55, ça reste autour de la minute, c'est loin quand même. Surtout, hein, qu'on va arriver dans une phase là quasi décisive maintenant, il faut aller chercher la gagne, hein, dans Paris-Roubaix. Donc pour ceux qui sont devant, l'enchaînement qu'en fait en Pével, 1800 mètres de longueur, et le carrefour de l'Arbre, 2100 mètres de longueur, ça va être un point chaud. Donc là, forcément, la course va s'emballer devant et le retour deviendra encore plus compliqué pour ceux qui sont derrière. Ah, Eddy Seigneur, à hauteur de Saramontins. Saramontins, vous dites-vous? Moi, je dis comme ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit comme ça qu'il fallait dire. Hein. Moi, je crois qu'on dit Saramontins parce que voilà, il est champion de Lettonie, je l'ai un peu mis en Lituanie tout à l'heure. Mais bon, le LAT m'avait surpris. Je suis allé vérifier quand même. Rendons à Alexei ce qui lui appartient. On est un peu dans la réflexion là. On commence à être dans la stratégie à l'avant, Cédric. Eh bien, comme Laurent le disait tout à l'heure, je pense qu'on réfléchit tout simplement à la victoire dans Paris-Roubaix, parce qu'on a compris que même si ça revenait de derrière avec l'énergie dépensée, je pense que ça ne serait pas suffisant. Donc le vainqueur est bien sûr, fait bien sûr partie de ce groupe. Et je partage tout à fait l'analyse tout à l'heure de Laurent concernant Sepp Van Mark. Il a vraiment un coup de pédale facile. Comme on dit dans le jargon du cyclisme, il a la soquette légère, il caresse sa pédale, il est vraiment facile. Il ne fait aucune faute, Sepp Van Mark, il n'en fait pas trop. Et puis il est surtout vigilant, il a réagi tout à l'heure à l'accélération de Tom Bonen. Je pense que l'attaque décisive risque de venir de Sepp Van Mark. C'est l'homme à surveiller dans ce groupe. Est-ce que les Yam, alors il y a quand même, bon alors les Sky sont deux, hein, avec Jan Stannard et Luc Wau. Mais la surprise, c'est d'avoir deux coureurs de l'équipe Yam Cycling, avec Heinrich Hössler, l'Australien, et avec Alexei Saramontins, le coureur letton. Est-ce que ces deux-là peuvent finalement ne pas jouer les troubles faits? C'est difficile à dire, hein, parce qu'il faut déjà arriver devant, hein, pour gagner. Hein. Évidemment, regardez, il s'énerve d'ailleurs, Hössler. Mais on a vu aussi que tout à l'heure, Hössler, il était dans un groupe avec Rowe et Eman attardé, et qu'ils ont eu toutes les difficultés du monde à revenir. Hein. Alors il va vite au sprint, si ça arrive au sprint à 10, il a sa chance. Mais il faut déjà arriver avec les meilleurs. Et Saramontins, Moutins, voilà. Il a l'air un peu cuit, hein. Il est là, mais voilà, enfin, un peu comme tout le monde. Mais effectivement, comme le disait très justement Cédric, il a l'air costaud. Sepp Van Mark, et regardez avec quelle clairvoyance, dès que ça accélère un petit peu, il est prêt à bondir. C'est Luc Wau qui est entré en tête dans ce secteur pavé numéro 6. Alors c'est un enchaînement, hein. Sizouin, Bourgel et puis Bourgel, Vanhoen. C'est un enchaînement de 1300 et 1100 mètres. C'est quasiment le même secteur pavé, hein. C'est le 22e secteur pavé emprunté par les coureurs de ce Paris-Roubaix. Et le groupe de tête avec Sepp Van Mark ici maintient l'écart, 58 secondes avec le groupe Peter Sagan. Van Mark, il faut quand même pour lui, quand on réfléchit, hein, puisqu'ils sont dans la réflexion à ce stade de la course, notamment au niveau de la stratégie, Van Mark, il a besoin d'arriver, enfin de se débarrasser de certains coureurs dans ce groupe plus rapide que lui au sprint. Hein. Donc arriver tout seul, évidemment, c'est la garantie de gagner. Mais s'il arrive avec Hössler, il est battu. S'il arrive avec Bonen, c'est pas gagné. S'il arrive avec Boissenhagen, va très vite au sprint. Donc oui, il y a vraiment une nécessité pour un garçon comme Van Mark, et qui a l'air d'avoir la capacité de partir seul, de se débarrasser des autres. Hein. Et à mon avis, c'est celui qui va essayer de lâcher tout le monde dans le carrefour de l'Arbre. En tout cas, il y en a un qui se sent fort, c'est Tom Bonen.
Les deux plus impressionnants, Tom Bonnen et Seb Vandemark. Bon, Boissenhagen aussi. Mais ça change, hein. Tout à l'heure, Tom Bonnen nous donnait l'impression d'être juste. Maintenant, il a l'air très costaud. Boissenhagen, qui semblait très à l'aise, semble un petit peu plus sur la retenue, en tout cas moins aérien. Donc voilà, le niveau se resserre finalement. Il va falloir. Ça risque de se passer dans la tête. Dans les jambes surtout, mais enfin aussi un petit peu dans la tête, au mental. Savoir souffrir un peu plus que l'adversaire. Et l'expérience de Tom Bonnen joue en sa faveur quand même. Hein, ça. 25 km de l'arrivée pour le groupe Tom Bonnen, Seb Vandemark et l'écart 57 secondes qui ne bouge absolument plus avec votre groupe Peter Sagan, Nico. Oui, le groupe Peter Sagan, je vous confirme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils étaient trois à rouler. Peter Sagan, le champion du monde, donc, et puis les deux coureurs de l'équipe Giant Alpecin. Et à un moment, Peter Sagan a dit, bon, bah écoutez, voilà, si vous voulez pas revenir, ben vous revenez pas. Et il s'est mis en dernière position. En ce moment, là, le champion du monde est en dernière position et puis laisse faire les autres. Et ce qui fait que ça ne roule quasiment plus, hormis juste les efforts des deux coureurs de l'équipe Giant Alpecin. Mais franchement, ce groupe, à mon avis, est condamné. Il se condamne lui-même parce que ça ne roule plus ici. La tête de course avec donc les 10 hommes qui vont se disputer la victoire de cette 114e édition. Heinrich Hössler, voilà le groupe Peter Sagan au panneau 25 km. Ah, le problème c'est qu'on va peut-être se regarder un petit peu là dans le groupe de tête. Mathieu Eman, c'est lui qui donne le rythme maintenant, enfin en tout cas qui a pris le relais. On discute entre Luc Waugh et Jan Stannar. Tom Bonnen vigilant. Alors je pense qu'on va réfléchir un peu là, il y a du bitume. Parce que bon, on arrive sur les deux derniers très gros secteurs pavés. C'est Canfin en Pével et le carrefour de l'Arbre. Je pense, Cédric, que, bon, à un moment, là, ça va, dès qu'on va attaquer le secteur pavé de Canfin en Pével, ça va bouger. Hein. Oui, ça va bouger. Là, pour le moment, on assiste à une petite phase de temporisation, tout simplement parce que le vent est défavorable. Et se lancer dans une échappée, ça serait relativement suicidaire sur ce secteur pavé. Je pense que du côté de la ferme de Bourgalou, et plus précisément du carrefour de l'Arbre, là, par contre, on peut lâcher les chevaux. Et à mon avis, nous allons encore assister à quelques kilomètres de course d'attente. À l'évidence, les plus fringants attendent l'enchaînement des secteurs Canfin Pével et Carrefour de l'Arbre. C'est près de 4 km de pavés qui s'enchaînent. Et là, il y a moyen vraiment de faire la différence sur les costauds. Donc, pour les autres, ce sera serrer les dents, s'accrocher. Mais je pense que Vandemark, Bonnen, pourquoi pas Boissenhagen, mais on l'a vu à plusieurs reprises appeler sa voiture pour réclamer de la nourriture. C'est pas très rassurant. Je pense qu'en tout cas, ces garçons-là vont essayer de hausser le ton encore dans ces deux secteurs à suivre. Et l'écart diminue un peu, 48 secondes. Ça se remet à rouler ou c'est devant que ça roule un peu moins vite, Nico ? Ah, peut-être un peu des deux, mais c'est vrai que là, sous la pulsion des deux coureurs de l'équipe Giant Alpecin, eh bien ça revient. C'est vrai qu'on aperçoit au loin le groupe Bonnen et c'est vrai que ce n'était pas l'impression que nous donnait ce groupe, mais visiblement, là, les Giant Alpecin sont en train d'en remettre une, de tout donner, et c'est en train de revenir, et ça peut faire les affaires de Peter Sagan, qui, pour l'instant, est dans les dernières positions de ce groupe.
Oui, mais il a intérêt, Sagan, de toute façon, à se dire que la course est perdue et à essayer de se faire oublier, si c'est possible. Et puis tant qu'il reste dans les premières positions, on va compter sur lui pour boucher le trou. Dans son groupe, il y a un Orica Green Edge, il y a un coureur de l'équipe Yam, il y a un Lotto Jumbo, donc il y a trois coureurs qui ne vont pas rouler. Hein, donc ça laisse plus grand monde. Ça laisse plus grand monde. Et si Sagan roule en tête, ben les autres ils vont pas collaborer avec. S'il se met en dernière position, il y a plus de chances que ça roule. Ça peut paraître étonnant, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, 47 secondes, mais bon, c'est vrai que ça. Là, y a que... Alors, c'est cuit parce que ça va accélérer. Là. Ouais, Ramon Sinkeldam là, qui est désormais quasiment seul à rouler. Puis bon, devant, on va se mettre en ordre de bataille parce qu'on s'approche, Dans 3 km, on attaquera l'enchaînement Canfin en Pével, Carrefour de l'Arbre. Là, il y a 2 gros kilomètres pour peut-être jouer la victoire, alors que Adrien Petit vient d'accélérer en tête de votre groupe. C'est ça, Nico? Oui, en effet, c'est Adrien Petit qui accélère avec un coureur de l'équipe Cannondale. Et là, Adrien Petit qui se retourne et le retour de notamment un coureur de l'équipe Lotto Jumbo, Peter Sagan, en 5e position. C'est Dylan Van Baal qui est là avec le maillot vert de l'équipe Cannondale. C'est revenu. Il connaît bien ses routes, Adrien Petit, lui qui portait le maillot de la Cofidis. Je vous ai dit qu'il est originaire d'Arras. C'est dans le Pas-de-Calais, c'est pas très très loin d'ici. Ouais, non, c'est. Ça reviendra pas. Enfin, ça reviendra pas maintenant. On est quasiment à 22 km de l'arrivée. Dans 5 km, nous serons à la sortie du carrefour de l'Arbre. Pardon, je croyais qu'il allait sortir, autant pour moi. Ça filoche. Donc dans 5 km, nous serons à la sortie du carrefour de l'Arbre. Donc voilà, un secteur décisif. Donc évidemment, devant, ça va accélérer, la course se joue. C'est inévitable, avec 47 secondes de retard, on peut le dire, Sagan ne reviendra plus. Il a compris qu'il ne gagnerait pas l'enchaînement Tour des Flandres. Paris-Roubaix, ce que pas mal ont fait, hein, puisque Tom Bonnen l'a fait. Hein. Il l'a fait 2 fois, Tom Bonnen. Il y a 8 Belges qui l'ont fait et 2 Suisses. Fabian Cancellara l'avait fait en 2010-2013. Il est tombé, Fabian Cancellara, et il est loin, loin pour son dernier Paris-Roubaix. Fabian Cancellara qui l'avait fait comme Henri Sutter. Et 8 Belges l'ont fait, dont Tom Bonnen en 2005 et en 2012. 10 coureurs l'ont fait. Et 12 fois, puisque certains l'ont fait 2 fois. Alors là, on sent vraiment, Cédric, dans le groupe de tête, qu'on est dans la stratégie, dans la réflexion. On est vraiment dans la stratégie, dans la réflexion, d'autant plus que le vent souffle latéralement. Vous le voyez, il vient de la partie droite. Et j'aperçois le prochain secteur pavé qui est juste devant nous. Au bout de cette ligne droite, les coureurs vont tourner à gauche. Ils vont donc aborder ce secteur pavé avec un vent favorable. Et ce sont les coureurs de la formation Sky qui sont en train de faire un petit coup de bordure. Peut-être une attaque de Jan Stannaert ici à 20 km de l'arrivée. Oui, Stannaert qui emmène toujours un braquet énorme, hein, mais qui à l'évidence... à la faveur des pronostics dans le Team Sky. Hein. Lucro semble un petit peu émoussé. En tout cas, il se sacrifie. Ouais, Sarah Montins qui est en train de craquer aussi, me semble-t-il. Ouais. Il est lâché même. Ouais, Alexei Sarah Montins, le Letton, le champion de Lettonie. Et Seb Vandemark qui accélère. Voilà, c'en est terminé, Cédric Vasseur, pour Alexei Sarah Montins. Oui, c'est fini. Au moment où les hommes de tête tournent sur la gauche pour aborder le secteur pavé, ce sont les 2 coureurs de la formation Sky. Et vent favorable sur ce secteur. Attention à l'attaque d'un coureur comme Stannaert, Vandemark ou Bonnen. Il y va, Stannaert, il y va. Mathieu Hémann, impressionnant, lui aussi dans la roue. Tom Bonnen facile, hein, le coup de pédale est quand même souple. Ouais, Mathieu Hémann, étonnant. Étonnant, Mathieu Hémann. Un des anciens du peloton qui là brille, lui qui a porté les couleurs de l'équipe Cofidis. Et ça s'éparpille déjà, hein. On a fait 200 mètres à peine. Emmanuel Herviti, Marcel Sibert, Gagnery Schossler, Luc Wow, il s'en est terminé. Alexei Sarah Montins, on va se retrouver avec 5 coureurs. Regardez, Luc Wow, terminé.
Et l'accélération d'Yann Stannard avec Matthew Heyman collé à sa roue. Il était dans l'échappée du jour, Matthew Heyman. L'échappée qui est partie après 75 km. Ça fait un paquet qu'il est devant. Ils sont plus que 5. Yann Stannard, Matthew Heyman, Tom Bonnen, Seb Van Mark et Valbo Hassanayen. Stannard, il essaie d'y aller. Hein. Il fait le forcing, mais ça suit facile quand même derrière pour les 4 autres. Yann Stannard, on l'écoute hier à la présentation, qui prend le côté des pavés. Oui, ça va être une course radicalement différente de celle du Tour des Flandres. On n'aura pas les montées de la semaine dernière, ni les pavés lisses sur les parties plates, mais il y a tellement de super coureurs. Vous vous sentez comment? Très bien. On a bien récupéré, on a hâte d'être demain. Et incroyable, Matthew Heyman en train d'accélérer, l'Australien. Devant le Britannique, Yann Stannard, le Belge Tom Bonnen, le Belge Seb Van Mark et le Norvégien, le champion de Norvège, Edvald Boasson-Hagen. Attention de ne pas trop en faire, Matthew Heyman, qui a déjà beaucoup donné. Et à un moment, ça va devenir dur, dur pour lui. Les jambes vont être lourdes, très lourdes, trop lourdes peut-être. En tout cas, il se met en cinquième position, s'accroche, mais ça va vite, ça va fort. Grosse accélération de Yann Stannard, Cédric. Grosse accélération, et là c'est bon courage. Hein. Le Croc qui tire la langue, qui est décramponné définitivement, et Yann Stannard qui en profite sur un secteur où actuellement le vent vient légèrement de la partie droite, le secteur qui précède le carrefour de l'Arme. Là nous assistons presque définitivement au dénouement de Paris-Roubaix. Il fait le forcing sur un secteur difficile. Et du grand Tom Bonnen. Tom Bonnen ici en gros plan, en deuxième position, qui peut entrer dans la légende du cyclisme en étant le premier à gagner un cinquième Paris-Roubaix, comme ressuscité à 35 ans, Tom Bonnen. On n'imaginait pas qu'il était capable, en tout cas, d'être encore là pour la victoire, alors qu'on va attaquer le carrefour de l'Arbre où tout peut se passer. Yann Stannard, il a éliminé des adversaires, il a éliminé Loke Wout, son partenaire. Ils ne sont plus, je crois, que 5 pour la victoire finale. Mais bon. Oh, Yann Stannard qui est en train de craquer. Non, peut-être. Pas. J'ai eu peur pour lui. Non, non, il prend de l'élan. Il respire. Et Seb Van Mark, il est embêté parce que ça va vite quand même. Hein. Boasson-Hagen, Heyman ou Bonnen sur un vélodrome, ça va vite. Ouais, Boasson-Hagen a une belle pointe de vitesse. Tom Bonnen aussi. Et Van Mark, bon, il sait se défendre, hein, mais. Attention, parce que là, on est dans un sprint sur un vélodrome, ce qui est quand même particulier. C'est une manœuvre un peu spéciale. Et puis, au terme d'une course de 257 km, c'est la fraîcheur physique aussi qui peut faire la différence. Ce n'est pas toujours les qualités de sprinter. Cédric, 5 pour une victoire. Pour l'instant, hein, pour l'instant. Hein. Pour l'instant, je reste sur mon choix de Seb Van Mark, qui a, à mon avis, la faculté d'accélérer sur le carrefour de l'Arbre. Attention, restons bien vigilants. Je crois que là, on va vraiment assister à un vrai bras de fer parmi ces 5 hommes. Ouais, moi, j'ai le sentiment qu'il y en a 3 qui peuvent s'échapper. Van Mark, Bonnen. Et Boasson-Hagen. Et Van Mark est fait l'effort. Il attendait ce moment-là. Matthew Heyman va craquer. Oui, attention. Il y va franchement, là. Matthew Heyman craque. Et Van Mark, comme le disait à l'instant, comme le sentait à l'instant Cédric sur la moto. Regardez Van Mark, c'est le seul coureur dans l'échappée qui a les poignées de frein sur le haut du guidon. C'est un avantage pour prendre ses virages à pleine vitesse et pouvoir freiner. Le trou se fait. C'est Stannard qui tente de le boucher, mais pour l'instant, Seb Van Mark a fait un trou de 4-5 mètres. 10 mètres maintenant. Bon, voilà, il ne se pose pas de questions Van Mark, il met le paquet. Ouais, mais Stannard s'accroche. Yann Stannard qui tente de ramener Tom Bonnen. Matthew Heyman a craqué. Ah, il a coupé le virage, il n'a pas eu le choix. Là, il ne savait pas ce qu'il allait trouver. Hein. Il a été franco. Et Stannard revient. Ils ne sont plus que 4. Enfin, 1 plus 3. 1 plus 3. Sur le bas-côté, on évite les pavés. Ouais, et regardez, Stannard va ramener Tom Bonnen et Edvald Boasson-Hagen. Stannard en mode tracteur revient, hein, mètre par mètre. Il est fort, ouais, les 4 sont forts. De toute façon, pour être là, il faut être très fort. Mais bon, sans que Edvald Boasson. Ah, il repart. Accélération de Seb Van Mark, Cédric. Oui, nouvelle accélération. C'était prévisible parce que Seb Van Mark court
essayer de se débarrasser de Tamponen, de Boissonhagen. Il va tout tenter en favorable, ce qui favorise effectivement l'attaque d'un coureur comme Van Marck sur ce carrefour de l'arbre. Mètre après mètre dans le carrefour de l'arbre, Seb Van Marck parti pour s'imposer en solitaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est Tamponen qui prend le virage à la corde. Ah, qui a un petit peu dérapé là sur ce virage. Boissonhagen qui n'a pas l'air impérial, hein, contrairement à l'impression qu'il donnait tout à l'heure. Il y a quand même déjà pas mal de kilomètres. Hein. Le niveau s'est resserré et finalement il est content de suivre visiblement. Bon, l'écart n'est pas fait. Hein. Certes, il a une cinquantaine de mètres d'avance devant Marc, mais en termes de temps, ça ne représente pas grand-chose. Avec trois coureurs lancés à ses trousses, c'est pas sûr qu'il puisse se tenir ensuite. On est d'accord. Ils ne sont plus que 4, on a perdu Mathieu Eman. Cédric, ils ne sont plus que 1 plus 3, 1 plus 2 plus 1. Avec Seb Van Marck qui essaie de faire le forcing, mais comme le disait Laurent tout à l'heure, il n'arrive pas réellement à creuser l'écart. Visiblement, les coureurs en tête sont plus ou moins du même niveau. Et c'est Edvald Boasson-Hagen qui ramène Tamponen. Jan Stannar qui avait laissé un petit trou, qui a eu besoin de respirer. Il est lourd, hein, Jan Stannar, il est physique. Il est massif. Ah, il résiste, hein, Seb Van Marck. Donne tout dans le carrefour de l'arbre. On dit en général que le coureur qui sort en tête au carrefour de l'arbre est le vainqueur sur le vélodrome de Roubaix. Mais ça n'a pas toujours été aussi vrai que ça. Voilà le célèbre restaurant du carrefour de l'arbre. On va tourner à droite maintenant. On va sortir de ce secteur pavé. Et c'est Seb Van Marck, le coureur belge de l'équipe néerlandaise Lotto Jumbo, qui sort en tête. C'est déjà ça. Bonnen, Stannar, Boissonhagen. À 3 secondes, c'est rien du tout. Oh, Tamponen éblouissant. Il en aura fait quand même. Hein. Il en a donné des coups de pédale. Il en a roulé devant. Il en a ramené. Et c'est encore lui qui fait l'effort pour revenir sur Seb Van Marck. Il y a de nouveau un petit passage avec des pavés ici. Allez, ah, retour de Mathieu Eman. Ah, ils sont 5. 1 plus 4. Cédric. Oui, et avec un Seb Van Marck qui continue et qui profite d'un vent favorable sur ce secteur numéro 3. Mais pour l'instant, il n'a pas suffisamment d'avance. La question est de savoir combien il va réussir à prendre sur ce secteur pavé. Bon, visiblement, à la pédale, c'est Van Marck le plus fort, mais les trois coureurs qui le suivent sont quand même costauds. Ils sont 4 maintenant derrière. Alors la question, c'est vont-ils s'entendre à la sortie de ce secteur pavé? La réponse, selon moi, c'est oui. Parce que la victoire est devant, il faut aller chercher Van Marck. Elle connaissait sa valeur. Donc je pense qu'ils ont intérêt à s'entendre, même si Tamponen fait une sacrée impression, même si Boissonhagen est rapide au sprint. Ils ont intérêt à s'entendre. D'abord revenir sur la tête et ensuite on voit comment on peut essayer de gagner. Et l'incroyable retour de Mathieu Eman, tout seul comme un grand. Creuse plus, 11 secondes quand même. C'est à la fois beaucoup et peu à 13 km 800 de l'arrivée sur le vélodrome de Roubaix. Et quel numéro de Mathieu Eman, hein, parce que là... Franchement, c'est un ancien, je vous l'ai dit, il a 37 ans. Et il s'était fracturé le radius au circuit Etnjosblad. Et donc forcément, on imaginait qu'il était out pour toutes les classiques. Il est revenu la semaine dernière au Grand Prix Miguel Indurain. Et bien le voilà, en presque héros de ce Paris-Roubaix, parce qu'on rappelle qu'il était dans l'échappée. Et pour Van Marck, de toute façon, il n'y a plus de questions à se poser. Hein. C'est serrer les dents et foncer. Essayer de finir en solitaire, mais on le voit derrière, l'organisation est là. Tamponen a demandé le relais à Boissonhagen. Voilà, c'est des petits gestes courants dans le vélo, un coup de coude. Ça veut dire à toi, vas-y, passe. C'est Van Marck, troisième dimanche du Tour des Flandres. Il est arrivé en compagnie de Fabian Cancellara. Il a été fair play, il a eu l'élégance de le laisser terminer deuxième pour son dernier Tour des Flandres.
C'est son dernier Paris-Roubaix, mais il n'est plus là. Les chutes ont écrit les différents scénarios de cet après-midi. En partie, en tout cas. Et encore Tom Bonnen pour prendre le relais. 8 secondes d'écart. Jan Stannard, c'est dur pour Mathieu Eman, qui a laissé un tout petit trou. Et ils l'aperçoivent. On n'en parle plus, mais pour information, le groupe Sagan est à 1 minute et 30. C'est dire si devant, ça va vite. Oui, c'est terminé, évidemment, on le savait, mais cette fois, c'est fini, fini. Et que demande ? Que demande pour pousser les coureurs belges, bien sûr. On est venu en frontalier, on est venu prendre du plaisir. On sait que le cyclisme est une religion chez nos voisins. Qui profite de ces deux dimanches là, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, pour évacuer un petit peu tout leur malheur. Et deux coureurs belges sont là, avec un Norvégien, un Britannique et un Australien. Et Van Marck sur le point d'être repris sous l'impulsion de Jan Stannard. Encore une fois. Et Mathieu Eman, il est revenu encore, hein, il a recollé. Vous savez qu'il a été coéquipier de Jan Stannard pendant 3 saisons, hein, parce que Mathieu Eman, il a porté le maillot d'équipe Sky pendant 3 saisons. Ce n'est que depuis 2014, hein, c'est sa 2e saison dans l'équipe Orica Greenedge. Et à 37 ans, il est là. Qui n'a plus gagné une course, Mathieu Eman, depuis Paris-Bourges en 2011. Vous imaginez ? Eh bien, il est là, avec son dossard 55. Ouais, il ne roule pas pour l'instant. Hein. Lui, il s'est dit, je suis en sursis. Là, hein. Tout à l'heure, j'ai été distancé. Copain, vous m'avez laissé derrière. J'ai pu revenir, donc allez-y, débrouillez-vous sans moi. Hein. Par contre, s'il a les moyens de leur mettre une petite attaque dans les 2-3 derniers kilomètres, je pense qu'il va, il va tenter sa chance. Et donc, regroupement, c'est bien 5 pour une victoire, Cédric. Tout à fait, 5 coureurs pour la victoire. Seb Van Marck n'a pas réussi à faire le break tout à l'heure. 5 pour une couronne, pour un pavé tout à l'heure sur, les, sur le vélodrome. Stannard qui a fait forte impression. Et avec le vent plutôt favorable, ça risque maintenant d'être peut-être difficile de s'extirper de ce groupe. Et qui sait si nous n'allons pas retrouver ces 5 coureurs sur le vélodrome pour un sprint royal. Il y en a qui ont intérêt à arriver au sprint. Hein. Je pense à Tom Bonnen et à Edvald Boasson-Hagen. Je crois que ce sont les deux plus rapides. Bon, Mathieu Eman va vite. Hein. Après, il faut avoir aussi, pour certains, avoir fait un peu de piste. Psychologiquement pour Seb Van Marck là, c'est un petit coup dur quand même, hein, quand on a réussi à distancer tout le monde et qu'on les voit revenir. On a pris un avantage psychologique au moment où on les laisse derrière, et puis quand ils reviennent, c'est eux qui reprennent l'ascendant. Donc là, il faut digérer ça et se remobiliser et se reprojeter vers une possible victoire au sprint face à des garçons réputés plus rapides. C'est pas facile, à moins qu'ils tentent à nouveau quelque chose dans le secteur de Gruson, prochain secteur. Cette fois, les pavés, il n'en reste plus beaucoup. Et puis, ce n'est pas les mêmes que les autres. Hein. Ils sont beaucoup moins durs. Attention à Jan Stannard. Hein, il s'est gagné. Hein, il a gagné 2 fois le Het Nieuwsblad dont je parlais tout à l'heure. L'an dernier, il y a 2 ans. Ouais, et puis, il y a un truc qui est à son avantage. C'est qu'il a de la force, hein. Il a de la force. Alors, une fois lancé, il faut quand même aller le rattraper après. Il ne faut pas lui laisser non plus 50 mètres d'avance à Stannard. Alors, on a abandonné Peter Sagan. Petit coup de chapeau parce que voilà, ils se seront battus jusqu'au bout, mais voilà, ils n'ont pas pu résister, ils n'ont pas pu revenir sur ce groupe. C'était trop compliqué. Il y a eu trop d'aléas. Fait partie aussi d'un Paris-Roubaix, de l'histoire de Paris-Roubaix. C'est comme ça que se construisent les histoires, et aujourd'hui on est peut-être devant une légende. Ah oui, si Bonnen l'emporte, ah bah oui. C'est historique. Ce serait le premier à 5 victoires, il est à égalité avec son compatriote, avec le grand Roger de Vlaeminck. Et Tom Bonnen, il peut, alors là ça serait
Je pense que de toute façon, déjà Paris-Roubaix, c'est une course qui le transcende, qui le motive. Mais cette perspective-là lui donne un pouvoir supplémentaire. Et son coup de pédale, là, en dit long, en tout cas, il est concentré, hein, Bonnen. Son coup de pédale en dit long sur sa détermination. Oui. Il faut le battre aujourd'hui, hein. Ça ne sera pas simple. Alors qu'on le donnait souvent pas parmi les favoris ces derniers temps. Dans toutes les courses auxquelles il participe, bon, ouais, on dit Bonnen, c'est vrai, mais c'est plus que c'était. Nous, les premiers, d'ailleurs. Bah, aujourd'hui, sur une course où l'expérience bien joue un rôle aussi important, bah, lui, c'est un garçon qui a de l'expérience. 16e saison. Et puis une multitude de situations comme celle-là sur Paris-Roubaix avec ses 4 victoires, mais aussi des podiums. Allez, ces 4-là étaient devant tout à l'heure. Ah, ils sont en train de revenir. Ils aperçoivent les voitures. Hosler, attention, parce que... Ah oui, 23 secondes quand même. Mais pour Heinrich Hosler, le coureur de l'équipe IAM, qui a une belle pointe de vitesse... Même s'il est un peu cuit, visiblement, un retour serait des plus intéressants. Les voitures s'arrêtent, logique. On ne veut pas favoriser une file de voitures pour permettre aux quatre poursuivants d'avoir un point de mire trop important et puis surtout d'avoir une aspiration. Et puis l'avantage d'Hosler, c'est qu'il a un coéquipier avec Sarah Montint. Avant-dernier secteur pavé, M 1400 mètres. Et la particularité de celui-ci, c'est qu'il y a sur les bas-côtés des portions asphaltées. Certes, l'asphalte est un peu détérioré, mais ça bouge beaucoup moins que sur le pavé. Et une seconde. Et nouvelle accélération de Sepp Van Mark. Qui n'a pas réussi à surprendre, en tout cas pour l'instant. Boisson Laguin réagit. Schumann s'accroche et Tom Bonnen contrôle. Attention en cas de regroupement à la sortie au contre peut-être de Jan Stannaert. Ah, il serre les dents Tom Bonnen, c'est pas facile là. Secondes, l'écart est stabilisé pour ce groupe-là, le groupe de poursuivants, tout le monde est un petit peu au maximum, mais devant, derrière, alors ils peuvent espérer un retour si à l'avance ça se regarde dans les derniers kilomètres, dans le cas contraire, leur niveau actuel ne leur permet pas d'espérer autre chose. Voilà, ça en est terminé pour les pavés, il restera à proximité du vélodrome, toute petite portion de 300 mètres. À 6 km de l'arrivée, on commence presque à se regarder, mais on ne peut pas se regarder. Alors, Jan Stannaert accélère à gauche de la route. Bonhomme qui regarde, mais qui ne va pas. Ah, il ne faut pas lui laisser 100 mètres à lui. Hein. Tom Bonnen qui va mais sans y aller, qui hésite à faire l'effort. Attention, faut pas lui laisser trop d'avance, il s'est gagné Jan Stannaert, c'est parti pour le Britannique, ouais, puis pour l'Anglais. Il nous a fait la démonstration dans les kilomètres qui précédaient qu'il était capable de maintenir un effort soutenu.
Ah, il n'y a pas une grosse reprise, on va dire. Il n'y a pas un gros changement de rythme, mais une fois lancé. Il a joué un peu au bluff. Hein. C'est votre avis, Cédric ? Ah, il a joué un peu bluff, il était depuis quelques temps en dernière position, il a vu que ça temporisait, il a surpris tous ses compagnons d'échappée, mais regardez, voilà, c'est la réaction de Tambonen a été immédiate, et regroupement en tête, c'est Sepp Van Marck et Tambonen qui travaillent le plus au sein de cette échappée. Et attention au contre de Mathieu et Mayne là. Il a envie, il n'ose pas. Sepp Van Marck, il sait que là, si il arrive avec tout le monde, ça va être compliqué. 5 km de l'arrivée, ils sont 5. Voilà. Deux Belges, un Australien. Les Australiens ont déjà gagné hein, avec Stuart O'Grady à Paris-Roubaix. Et donc, ça serait une grande première, soit pour un Norvégien, soit pour un Anglais, soit pour un Britannique. Ouais, Stannard, il va tenter quelque chose à nouveau. De toute façon, au sprint, à mon avis, il a très peu de chances de pouvoir espérer la victoire avec les garçons qui l'accompagnent. Donc, il va tenter quelque chose à nouveau. Et je pense qu'Eman peut en faire de même. La légende peut s'écrire hein, quand même. Hein. Je vous le rappelle, hein, ça peut être non pas un Paris-Roubaix historique, mais légendaire. Mathieu Eman, prêt à bondir. Ah, ça cogite. Hein. Là, ça cogite. Hein. En fonction de ses qualités, sur un vélodrome, accélération de Mathieu Eman, il est parti. C'est là que Stannard peut contrer éventuellement avec l'élan lorsqu'il va revenir dans la roue de Tambonen. Mais bon, il y a peut-être. On le sait, mais bon, après, il faut pouvoir le faire. Et c'est ce que s'est dit Boisson-Lavienne. C'est le bon moment pour placer un contre, mais il y a l'envie, mais il n'y a pas l'énergie. Et Tambonen a l'air quand même facile. Hein. Le coup de pédale est quand même léger. Bonen va marquer certainement les deux plus frais. Et attention, attention à la pointe de vitesse de Boisson-Lavienne. En dernier recours, ça peut toujours être un atout. Alors, on se surveille. Hein. Allez, ça repart. Accélération de Sepp Van Marck à droite de la route. Tambonen qui, pour l'instant, eh bien, bouge, saute sur tout ce qui bouge. Impérial Tambonen, 4 fois vainqueur de Paris-Roubaix qui accélère. Accélération du champion belge. La légende est au bout de 3 km 700. Et c'est Edvald Boasson-Hagen qui vient le chercher. Il y a Stannard qui va compter. Ouais, Stannard qui va y aller. Accélération de Stannard. Attention, attention à celui-là. Il faut aller le chercher. C'est Sepp Van Marck qui tente de faire l'effort. Non, c'est Boasson-Hagen. Il y a 10 mètres, même pas. De toute façon, le premier qui arrive à prendre 20 mètres, c'est bon. Derrière, on va se regarder. Vas-y, fais l'effort. Moi, je peux plus. Et ça va être 30, 40, 50 mètres. Donc on réagit du tac au tac à chaque fois qu'il y a une attaque. C'est Edvald Boasson-Hagen qui est en train de revenir. Après, ce sera une question de fraîcheur. Mais attention quand même à Mathieu Eman. Il n'y en a plus de la fraîcheur. Là, tout le monde est cuit. Mathieu Eman, c'est s'il en reste un zeste, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Il en faut. Tambonen, extraordinaire Tambonen. Fabuleux Tambonen. Tomeke, comme on l'appelle, comme les surnomment les Belges. Tomeke, formidable, extraordinaire, diabolique, là à droite de la route. Il y va. Il n'a pas envie de faire le sprint sur le vélodrome. Et accélération de Tambonen. La légende est au bout de 2 km 700 maintenant. 4 fois vainqueur de Paris-Roubaix. Champion du monde en 2005. Le champion belge, l'homme des Flandres. Il peut entrer tout simplement dans la légende. Et là, on ne revient pas. Il s'est retourné. Ouais, ça plafonne derrière. C'est l'effort de Mathieu Eman. Regardez, avec les mains sur les cocottes, dans cette longue ligne droite. Et qui est là, en train de revenir. L'Australien, Mathieu Eman. Je vous rappelle qu'il était dans l'échappée, qui est parti au bout de 75 km. Il est impressionnant, Mathieu Eman. Il a failli contrer, Mathieu Eman. Ouais, il l'a contré, hein.
Tom Bonham qui stagne un petit peu, qui fait l'effort. C'est terminé, je pense, pour Boisson Hagen, pour Van Mark et pour Stannard qui se met quand même en danseuse à droite de la route. Qui s'est retourné, qui a voulu jauger un petit peu de l'écart, qui le séparait de ceux qui arrivaient derrière. Il cherche du renfort, il n'y en a plus. Et c'est pour ça qu'il met à nouveau du braquet, il essaie de boucher le trou. La victoire peut être là hein, pour Tom Bonham. Il faut rentrer. Tom Bonham qui revient maintenant sur Matthew Heyman. Ils ne sont plus que deux. Il y a des chances pour qu'Heyman ne roule plus avec Bonham. 1 km 600. Matthew Heyman rejoint à l'instant par Tom Bonham. Un ancien 37 ans et la légende 35 ans. 37 et 35 ans. Il faut de l'expérience a priori pour gagner Paris-Roubaix. 55 victoires belges depuis la création en 1896 de Paris-Roubaix. Stuart Gradé a gagné pour les Australiens. On se retourne les deux en même temps, le même geste. Stuart Gradé avait gagné en 2007, je vous le rappelle. Je suis quand même impressionné par la relative fraîcheur de Matthew Heyman. Hein. Ah oui, il a fait 180 km devant. Hein. Ouais, Van Mark qui revient sur le duo de tête. Ça coince pour Boisson Hagen et pour Steinar, alors que ça va être l'entrée sur le vélodrome. Écoutez, écoutez l'ovation à la légende belge. Maintenant, ici même, l'entrée sur le vélodrome, un demi-tour et un tour complet, je vous le rappelle. Un passage sur la ligne, il restera une boucle. On se regarde. Et Bonham, il a vu que Van Mark revenait. Le vélodrome est plein comme un œuf. Et Tom Bonham entre pour une cinquième victoire sur le vélodrome. Écoutez. Et retour de cette Van Mark. Et Boisson Hagen qui fait l'effort. Un demi-tour, passage sur la ligne, il restera un tour, c'est spécifique. C'est le vieux vélodrome. La cloche. 5 pour une victoire. Et une victoire pour une cinquième victoire pour entrer dans la légende. Et Boisson Hagen qui revient. Ils sont 5 de nouveau en haut du virage. Ah ben la Boisson Hagen, il n'aura pas le temps de reprendre un petit peu son souffle avant de faire le sprint. Bonheur, Matthew Heyman, cette Van Mark, Boisson Hagen, Jan Stannard. Accélération dans la ligne opposée de Matthew Heyman. C'est Van Mark qui va lancer le sprint de loin. Tom Bonham. Oh, Jan Stannard qui revient. Il a fait de la piste, Jan Stannard. Attention, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Tom Bonham à la corde. Bonham à la corde. Matthew Heyman, l'Australien. Matthew Heyman. Hagen est cinquième, incroyable, incroyable victoire à 37 ans, lui qui n'a plus gagné depuis 2011, incroyable victoire ici de Matthew Heyman, comme en 2007 avait fait Stuart O'Grady, la sensation du coureur australien qui a fait 180 km devant.